Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? Good morning, aviators. This is your captain speaking. What the hell kind of mission is this? Here we go. In 3, 2, no! 1. Having any fun yet? Bienvenue à tous, bonjour, bienvenue à notre lancement, top expert cette année, chez Solide Expert, Solide Expérience. Bienvenue encore, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. D'abord, je vous remercierai d'être là, d'avoir bravé le froid, la maladie, tout un danger ce matin pour être ici. En plus, un des gens d'Ottawa, de Gatineau, as-tu des gens de Trois-Rivières, dans ce coin-là, Rive-Sud, Laval, Montréal, ouais. Énorme. Très bien, les gens Saint-André-des-Plaines. Bon, écoutez, cette année, on a mis beaucoup d'efforts pour revenir en présentiel. J'aimerais d'ailleurs commencer à remercier l'équipe qui a travaillé très fort pour vous présenter ça. Après 2 ans de virtuel, on est super contents d'être ici et vous voir. Ça fait du bien de retrouver nos clients, nos gens qui trippent SolidWorks. Donc, on a une belle présentation pour vous avec nos top experts. Solide expérience. Alain, c'est toi qui t'occupes des slides? Point. Oui, je vais faire ça. Vas-y. On va faire un petit retour dans le passé. Vous connaissez Solide Expert 1998, mais qui c'est l'année qui a débuté SolidWorks? Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'année? En quelle année? 14. C'est proche. Le premier Windows très populaire. 1995, donc 1995, ça va déjà de loin. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé sur la version 95 ici? Oh! C'est Jacques? Non. On en a un, bravo. Puis comment c'était? En fait, je pensais que tu parlais de Windows 95. Ah oui, OK. On a tous connu Windows, mais SolidWorks 95, si notre propriétaire sera ici, Alex, a été un des premiers qui a travaillé là-dessus, puis ça l'a vendu tout de suite. Il faut comprendre Solide Expérience, c'est l'amalgame de Solide Expert et Mécanica Solutions, hein? Donc du côté Dassault, Katia, Innovia, Delmia, c'est l'assemblement de ces deux compagnies-là sur la bannière Solide Expérience. Donc Alex était déjà dans le domaine depuis plusieurs années avec Katia, et quand il a reçu ce DVD-là, tout de suite, il a dit, écoute, on se lance là-dedans, on part une compagnie, Solide Expert. On est arrivé en 98. Donc, vous voyez, la marge entre le départ et notre arrivée était vraiment très courte. Puis, au fil des ans, bien, vous le voyez, hein, SolidWorks a mis des efforts pour développer des solutions. Je ne les nommerai pas tous, mais les plus populaires, je vous dirais, est-ce qu'il y en a qui sont sur PDM aujourd'hui? 1, 2, 3, Martin, Marco, Casa, la moitié de la salle. Donc, vraiment, ça a été un changement pour nous, pour la gestion de vos données PDM. Après ça, bien, plusieurs outils sont ajoutés. DraftSight, hein, pour ceux qui continuent à ouvrir des dessins en DXF, DWG. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, en passant par 2020, qui était la présentation de la 3D Experience. 3D Experience, qui est notre nouvelle plateforme pour passer sur le nuage, le cloud, fait mieux gérer nos data, mieux gérer nos ressources, mieux gérer notre collaboration. Et puis, cette année, bien, on a les top experts qui vont vous présenter plusieurs nouveautés. Je pense qu'on en a plus d'une centaine. Je ne sais pas si on va toutes les couvrir, mais si on a le temps. On va en couvrir beaucoup. Excellent. Vous savez, Solide Expert, c'est une équipe encore plus grande maintenant avec Solide Expérience. On couvre beaucoup de choses, beaucoup de services, mais je veux focusser sur la formation. Pendant les 2 dernières années, on a eu un développement très accru des formations. On s'est équipé, on offre maintenant des formations en classe et virtuelles simultanées. Donc, avec les services de AWS, on est en mesure de partager toute la classe en virtuel. Donc, vous pouvez vous inscrire. On a un nouveau site web, si vous l'avez vu, avec les dates de formation, les inscriptions disponibles, les plans de cours, tout est là. Donc, on a beaucoup mis d'efforts pour aider à votre apprentissage. Plusieurs nouveaux cours se sont ajoutés, des cours de performance et de CAD admin ou administrateur CAO. 2 nouvelles formations exclusives à Solide Expert.
très important pour les gens comme vous qui sont habitués, mais qui aimeraient aller plus creux dans le logiciel pour améliorer vos performances. Un MOS. Évidemment, consultation, optimisation, automatisation, toujours des domaines très populaires avec DriveWorks, avec Swoot, pour ceux qui font des ministéries. Mais DriveWorks, toujours notre partenaire principal pour développer votre configuration. Donc, ceci dit, James n'est pas là, mais évidemment, notre département de impression 3D a grandi. Juste un petit mot, on a maintenant 5 partenaires d'affaires. Form Labs, Race 3D, Builder 3D, Artec 3D et Markforge. Donc, 5 nouveaux partenaires, ben, pour certains. Alors, notre département a grandi. 5 nouvelles membres de l'équipe se sont ajoutés dans les derniers 2 ans. Il y a un gros boom au niveau d'impression 3D. Et les technologies aussi ont avancé. Donc, ça vaut la peine de venir voir ça. On a 2 salles de démo, Québec, Montréal, même une à Nashua, dans notre cas. Évidemment, pour ceux qui nous connaissent déjà, on a toujours les blogs experts et info experts. On est sur toutes les plateformes. J'aimerais remercier Olivier qui a repris le poste au marketing, qui travaille très fort pour avoir du contenu à jour et l'équipe technique pour remplir, évidemment, le blog expert. Dernièrement, vous avez vu des capsules YouTube, trucs et astuces. Donc, très populaire, là, je pense que toujours 300-400 vues là, dès la première semaine. Alors, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour, Jeff? Mohamed? François? On est prêts? Les top experts? Merci Michel, merci beaucoup. Merci à vous tous de vous être déplacés en si grand nombre pour ce lancement de SolidWorks 2023. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Laissez-moi vous présenter notre équipe de top experts pour cette année. Donc, on a Flo Chongpingnu, moi-même Alain Trickshot Provo. Nous avons également Michael Hollywood Abridge et aussi notre envoyé spécial, Jonathan Super Feature Chargary. Il est en mission spéciale, donc il ne sera pas ici avec nous en ce moment, mais je crois qu'il avait quand même un petit mot à nous dire et il nous a préparé quelque chose. On va regarder ça à l'instant. Ah, vous êtes là! Chaque année, depuis SolidWorks 2010, je vous présente les nouveautés de SolidWorks. Cette année, exceptionnellement, j'ai été déployé pour une mission secrète. Mais soyez sans crainte, je vous laisse avec mon équipe de top experts pour vous présenter les nouveautés de SolidWorks 2023 ainsi que la plateforme 3D Experience. Bon visionnement! Merci, Super Feature. Bon, ben aujourd'hui, la présentation, elle va tourner autour de 3 points importants. D'accord? Donc, travailler plus intelligemment, travailler plus rapidement et travailler ensemble. C'est toujours les objectifs, lorsqu'on fait partie d'une équipe, de travailler le moins possible en silo pour que notre projet se déroule bien. Donc, c'est le thème de la présentation de cette année. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner l'agenda de la journée. Plusieurs modèles vont être utilisés comme ça pour qu'on constate que pour tout type d'utilisation, vraiment vous avez la meilleure solution pour arriver à la complétion de vos projets. Alors, aujourd'hui, la présentation sera sous deux formats. Il y aura une pause ensuite. Donc, la première section à votre gauche et la deuxième à droite pour la deuxième partie. Alors, je vais débuter la présentation et Flo Lou va venir ensuite prendre la relève et Hollywood aussi. Et je viendrai terminer la première section ensuite. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre premier topo, expérience utilisateur de SolidWorks. On le sait qu'à chaque année, SolidWorks écoute les utilisateurs et amène des améliorations au niveau des performances du logiciel, mais de l'utilisation du logiciel. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on a eu comme amélioration cette année. Naturellement,
on va ouvrir notre modèle de machine à coudre et on va appeler des modifications. Alors, tout d'abord, on va insérer un commentaire. Oui, fonctionnalité connue, mais qui est améliorée maintenant. Alors, je tape mon message, je peux maintenant mettre en surbrillance ou en gras les parties importantes de mon message. Je vais faire une capture d'écran en un seul clic et je vais pouvoir insérer l'image de ce que je veux comme amélioration sur mon modèle. Je vais pouvoir également choisir le degré d'importance de mon message et naturellement, on peut personnaliser les informations, les entêtes de nos importances de message. Alors ici, j'ai même stipulé que le commentaire doit s'afficher dès l'ouverture du dossier. Comme vous pouvez constater, j'adore travailler et ajouter des barres d'outils pendant que je fais ma conception, mais ça devient un peu compliqué de faire le ménage. Alors, SolidWorks a pensé à ça encore pour m'aider. Donc, je vais pouvoir nettoyer l'écran selon mon désir. Juste les nouvelles barres d'outils ajoutées, les menus ou carrément ramener les paramètres par défaut. Également, encore une fois, pour l'amélioration graphique, la case est cochée pour ne pas passer à côté de cette amélioration des performances. On va regarder ce que ça donne un peu à l'intérieur de SolidWorks. Ce que ça donne, c'est que grâce à une installation sur un poste avec les paramètres requis de SolidWorks, on se rend compte qu'on va atteindre des améliorations graphiques allant jusqu'à 120 FPS en moyenne. Donc, ça amène votre expérience d'utilisateur à travailler d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Si je fais une petite récapitulation, donc l'amélioration des commentaires, comment on est maintenant capable de ramener nos paramètres par défaut rapidement dans notre interface pour la nettoyer et les améliorations graphiques de SolidWorks. Alors sur ce, on va passer à notre prochain topo. Nous sommes maintenant à notre deuxième topo, pièces et fonctions. On utilisera le modèle du superbe scooter tout-terrain de SolidWorks, un appareil que j'adorerais manipuler, posséder. Ça a l'air super cool. Donc, grâce à ce modèle, on va voir de nouvelles fonctionnalités, ou plutôt des fonctionnalités améliorées à l'intérieur de SolidWorks, puisque ça a été le but des nouveautés cette année. Améliorer ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de votre SolidWorks. Alors, on va travailler sur la poignée ici de notre modèle. Première chose qu'on va voir comme amélioration, c'est comment je vais pouvoir engraver ici avec des polices unifilaires le logo ou l'écriture du logo de mon modèle. Également, dans le passé, dès qu'on avait une erreur comme ça sur une fonction intelligente, on devait aller corriger notre fonction intelligente, sortir du modèle pour réussir à le faire. Maintenant, à l'intérieur de SolidWorks, je n'ai plus besoin de faire ça. Je vais pouvoir venir corriger le positionnement en gardant la fonction dans ma pièce. Donc, je n'ai plus besoin de faire des va-et-vient. Parmi les améliorations, on va constater maintenant qu'au niveau de mes ellipses, je peux avoir des lignes de construction. Ben oui, des lignes de construction pour faciliter le positionnement et les contraintes de mon ellipse. Ça va me permettre justement de rapidement pouvoir passer à la conception les améliorations de ma poignée. Donc, je vais pouvoir ici ajouter des corps sur mon modèle, puisque je veux avoir une meilleure poigne sur cette poignée-là, qui serait beaucoup trop lisse pour mes mains. Donc, une autre option, c'est de pouvoir insérer ici, dans le déplacé, des informations, soit par des variables, soit par même une équation liée à une variable dans mon modèle, pour rapidement pouvoir apporter des modifications à mon modèle. Ben oui, je vais pouvoir maintenant, juste avec la table des équations, apporter des modifications à mon modèle pour rapidement concevoir ce que j'ai besoin. Une autre amélioration, c'est au niveau de notre des features. Dans le passé, on servait des features pour
simplifier notre modèle et on devait enregistrer le modèle séparément pour pouvoir l'utiliser par la suite. Bien maintenant, à l'intérieur de SolidWorks 2023, je vais l'avoir comme étant une autre configuration et donc, ce sera beaucoup plus simple pour moi de gérer ce fichier-là que d'autres fichiers, par exemple, qui seraient à gérer pour le simplifier. Et je vais pouvoir rappeler mon modèle rapidement dans mon assemblage principal au besoin. Donc, encore une fois ici, fini d'avoir des complexités de nos modèles qui sont parfois un peu plus difficiles à gérer. Alors, petit récapitulatif sur les fonctionnalités ici qu'on a eues, des améliorations sur des choses qui existaient déjà à l'intérieur de notre SolidWorks. Il ne faut pas oublier également tous les outils de collaboration qu'on a à l'intérieur de notre SolidWorks pour la plateforme également, pour passer à d'autres types d'améliorations de produits, telles la simulation sur notre cloud collaboratif, la 3DX. Donc, sur ce, je vais continuer pour passer à notre prochain topo. Donc, on va regarder ensemble le prochain segment. SolidWorks Inspection sera mon dernier topo avant de passer la parole à Flo, qui vous présentera les nouveautés simulation. Donc, si on va aller voir maintenant à l'intérieur de l'inspection, on sait que dans le passé, SolidWorks Inspection était un produit vraiment fantastique là, pour améliorer la rapidité avec laquelle on pouvait produire nos rapports d'inspection. Eh bien, pour 2023, SolidWorks Inspection en format autonome a fait peau neuve avec une mise à jour complète de l'interface. Cette nouvelle interface est plus concise, rendant chaque option claire et facile à identifier. Les utilisateurs de SolidWorks Inspection Autonome, actuels et nouveaux, seront ravis de découvrir que toute la nouvelle capacité de bulle automatique s'étend désormais au format de fichiers tels que les PDF. La fonction d'extraction intelligente qui existait auparavant, elle a été remplacée par la nouvelle commande d'extraction automatique. La commande d'extraction automatique est désormais un guichet unique qui gère les bulles automatiques pour tous les formats de fichiers pris en charge, qu'ils soient 2D ou 3D. Ça donne un énorme coup de pouce au processus et ça fera gagner énormément de temps à la configuration des rapports d'inspection à partir des fichiers PDF. Donc, SolidWorks Inspection apporte une intelligence supplémentaire au cas où le bullage manuel serait également utilisé. L'extraction manuelle identifiera désormais les caractéristiques sélectionnées et éliminera le besoin de basculer entre des outils spécifiques. Quand on travaille avec le complément à l'intérieur de SolidWorks, la configuration d'inspection peut désormais être affinée avec un ensemble de critères. Les séquences peuvent maintenant être créées et nommées pour une utilisation future. Ces séquences-là définissent un point de départ personnalisé qui peuvent peut-être être appliquées à diverses fins. Encore une fois, à l'intérieur de votre SolidWorks, inspection, mais en mode complément, l'extraction automatique peut être limitée par feuille également pour un niveau de contrôle supplémentaire. Par défaut, toutes les feuilles seront incluses avec une valeur de départ qui peut bien sûr être ajustée. Chaque feuille peut maintenant suivre sa propre séquence ou continuer à partir de la numérotation de la feuille précédente. Si on tire parti de la puissance du bullage automatisé dans plus de situations que jamais auparavant avec un contrôle accru sur les feuilles et les séquences, ben le nettoyage puis la réorganisation ont également été améliorés. Ça veut dire que l'arbre des caractéristiques fournit désormais un volet dans lequel la numérotation des bulles peut être visualisée et modifiée par feuille ou par même vue de dessin. On peut réorganiser toutes les bulles à la fois. C'est aussi simple que juste un glisser-déposer pour réorganiser les feuilles. En même temps, réorganiser les vues de dessin, ça va produire le même effet. Dans le tableau des caractéristiques, les bulles peuvent même être réorganisées par vue ou déplacées manuellement. Fait que tout ça fait en sorte que SolidWorks Inspection, autant dans le complément qu'en mode autonome, va améliorer grandement votre façon de produire vos rapports et encore une fois, les accélérer.
Alors sur ce, moi, je vais passer la main à Flo, qui va vous présenter les prochains topos, et je reviendrai un petit peu pour deux topos avec la fin de notre première section de notre lancement. Flo? Alors, on va poursuivre avec les nouveautés sur SolidWorks Simulation pour la version 2023. Alors, cette année, on va mettre le focus sur l'efficacité au niveau de la création et de la résolution d'une analyse. Parfait, allons-y avec ce modèle de machine à coudre. On va se concentrer au niveau du mécanisme qu'on a ici. Alors, un mécanisme à manivelle, donc un genre de bras, là, donc un levier de cam et avec une contre-cam qui va nous permettre de soulever le pied. Okay, donc, le pied qui va nous permettre là, par la suite là, de bien maintenir une pression là, sur le tissu à coudre. Alors, on a déjà une analyse qui a été créée pour ça, pour simuler le mécanisme en question, afin d'aller étudier les résultats de contraintes, les déplacements, les déformations, et ainsi de suite. Alors, une analyse quand même assez simple. Alors, ici, là, c'est surtout au niveau là, des contacts hein, qu'il y a. Donc, il y a un contact entre la cam et la contre-cam qui pourrait peut-être amener des difficultés au niveau de la résolution des calculs. Alors, on va commencer par copier cette analyse pour aller explorer une nouvelle option. Alors, directement à partir des propriétés d'une étude. Alors, cette nouvelle option, qui est le facteur d'échelle de rigidité de pénalité de contact, c'est une valeur entre 0.01 et 1. Donc, 1 étant un contact précis qu'on va avoir, et 0.01, un contact qui va être appelé là, ici approximatif. Okay. Alors, essayons cette nouvelle option où on va mettre le facteur d'échelle à 0.01 dans cet exemple-là. On pourrait peut-être se demander comme question, mais pourquoi faire ça? Pourquoi mettre une précision moins grande alors que je peux profiter là, d'un calcul avec une meilleure précision? Alors, c'est bien simple, c'est qu'on tente ici là, de rouler un calcul plus rapidement. Okay? Donc, on va échanger la précision contre de la rapidité de calcul. Et pour résoudre un problème ici là, qui ne demande pas vraiment là, une grande précision au niveau du contact qu'il y a ici. Alors, comparons les résultats afin de voir la différence là, qu'il va y avoir au niveau là, de ces deux analyses. Alors, côté résultat, à gauche, on a l'analyse avec la précision plus élevée, et à droite, l'analyse avec la précision moins élevée là, qu'on vient juste de lancer. Okay? Donc, on voit que les résultats sont quand même assez similaires au niveau des contraintes. Okay? Même chose pour les résultats de déplacement. Alors, on est dans le même ordre de grandeur. Comparer les résultats, c'est une chose, mais le temps de calcul, c'en est un autre. Hein. Alors, on va regarder maintenant, là, ici, on va comparer le temps de calcul entre l'analyse, là, qui, l'analyse plus précise, okay, donc 12 secondes pour lancer le calcul pour cette analyse, avec l'option plus précise au niveau du facteur de pénalité, et l'analyse plus rapide, okay, donc l'analyse... si on le veut, là, avec une moins grande précision, 6 secondes. Okay, donc, on passe ici là, de 12 secondes à 6 secondes. OK, bon, bien sûr, ce n'est pas grand-chose, 6 secondes, mais imaginez là, que c'est qu'on aurait passé 6 minutes au lieu de 12 minutes, okay, ou comme dire qu'on aurait passé une heure au lieu de 2 heures. Okay, je pense que c'est le pourcentage ici, hein, c'est le fait d'avoir... donc doublé là, ici là, la productivité au niveau des calculs. Et donc, on a réduit le temps de calcul de moitié, là, ce qui nous permet d'obtenir les résultats encore plus rapidement, donc beaucoup plus rapidement. Okay? On échange une précision contre de la rapidité. Okay? Bien sûr, lorsque ça s'applique. Regardons maintenant une amélioration ici qu'on a au niveau des interactions. Alors, on a le porte-aiguille. Ici, avec l'aiguille là, qu'on aimerait analyser. Ici, là, ça ne m'importe pas là, d'avoir des résultats précis là, au niveau là, des vis, la boulonnerie et tout ça. Alors, on va se lancer une analyse simplifiée, tout simplement. Puis, on va exclure ces pièces qu'on n'a pas de besoin. Et on va remplacer le tout là, par des interactions locales de type solidaire. Alors, on va en ancrer deux ici.
L'amélioration qu'il y a ici là, avec la version 2023, c'est au niveau des sélections. Okay, donc, on a deux faces ici à connecter ensemble qui sont de différentes natures okay, et qui sont positionnées là, à des emplacements là, qui sont pas des faces l'une devant l'autre. Donc, c'est fonctionnel pour la version 2023. Okay, si jamais on a des interactions comme ça à créer. Alors, une fois que c'est créé, on va pouvoir exécuter l'analyse et obtenir les résultats. Voilà. Quoi d'autre? La version 2023. On va regarder au niveau du processus d'une analyse. Il y a des étapes importantes hein, au niveau là, d'une analyse, hein, surtout là, avant d'exécuter l'analyse. On devrait peut-être s'assurer là, qu'on ait les bonnes fonctions de créer, qu'il ne manque pas là, d'interaction, peut-être lancer des outils de diagnostic ici. Ben voilà, donc les outils de diagnostic là, en 2023 sont tous regroupés à l'intérieur là, d'un même menu, qui est donc placé à un endroit stratégique là, qui précède justement l'exécution de l'analyse. Alors, à l'intérieur, on va regrouper là, les outils de recherche de cas sous contrainte, l'évaluateur de simulation, le visualisateur d'interaction, ainsi que les diagnostics d'échec et de qualité de maillage. Okay? Par exemple, on aimerait ici là, lancer un petit calcul pour détecter est-ce qu'il y a des problèmes au niveau là, de l'aspiration, au niveau du maillage. Alors, on va pouvoir là, ici, là, grâce à ce menu qui regroupe le tout ensemble, on va pouvoir repérer plus facilement cet outil de diagnostic et se faire guider aux besoins pour améliorer le maillage si nécessaire. Du nouveau maintenant pour les utilisateurs de simulation professionnelle. Alors, dans la fonction de corps sous contrainte, donc la recherche de corps sous contrainte, on va parler maintenant pour la version 2023 là, d'un calcul plus puissant. Okay, donc, ils vont nous permettre d'obtenir un feedback là, vraiment très, très rapide, là, voire instantanément. Okay, donc, déjà, là, ici, on obtient là, le retour hein, pour savoir est-ce qu'il y a des pièces qui sont mal connectées, par exemple. Alors, une très grande amélioration là, au niveau là, du calcul pour savoir est-ce qu'il y a des corps sous contraints. Et du nouveau aussi pour les utilisateurs de simulation premium. Alors, on se rappelle, version 2022, okay, donc on avait présenté là, la nouvelle fonction de connecteur de type tige de liaison. Okay. On va la retrouver aussi pour la version 2023. Okay. Et on va la rendre disponible maintenant pour les études non linéaires ainsi que les études dynamiques. Okay. Donc, oui, si la pièce qui est ici, là, le bras, alors si jamais je veux l'exclure de l'analyse, okay, et je veux remplacer ça par un connecteur, oui, même dans une étude non linéaire ou dynamique, on va être capable de le faire. Okay? Donc, simplement créer un connecteur de type tige de liaison. Alors, voilà, donc on va créer ici là, les joints d'extrémité 1 et 2. Okay? Entrer les paramètres. Donc, pour mon joint d'extrémité 1, mon joint d'extrémité 2 par la suite. Okay. On va sélectionner ici là, pour les paramètres de section, donc rectangle solide avec les paramètres au niveau de la section. Et voilà. Alors, tout comme on le faisait là, pour la version 2022. Okay. Alors, une fois que c'est fait, bien, on va être en mesure de lancer les calculs et d'obtenir des résultats. Okay. Alors, bien sûr, avec le connecteur de présent. Voilà. Alors, pour la version 2023 sur SolidWorks Simulation, du nouveau. Alors, facteur d'échelle de rigidité de pénalité de contact. Okay, donc, on échange ici là, de la précision contre de la rapidité de calcul. Les interactions de liaison améliorées pour les faces qui ne se touchent pas. Donc, on améliore l'interaction de type solidaire. Menu contextuel qui regroupe là, tous les outils de diagnostic en un seul menu, en endroit stratégique au niveau de la création de l'analyse. Solver amélioré pour les corps sous contraints, donc un calcul plus rapide pour détecter les corps sous contraints.
Et dans les analyses non linéaires et dynamiques, on va être en mesure là, de créer un connecteur de type de tige de liaison. Voilà, ceci met donc fin aux nouveautés sur SolidWorks Simulation pour la version 2023. Alors, on va poursuivre avec les nouveautés et améliorations au niveau de l'administration. Donc, ça va surtout être pour les licences, pour la version 2023. Donc, d'abord, pour les licences Flow Simulation en réseau. Il s'agit ici là, du Command Manager, des compléments de SolidWorks qui a été amélioré. Alors, pour ceux qui ont des licences Flow Simulation, avec là, les modules avancés, alors le HVAC, le Electronics Cooling, ou même les deux. Alors, il sera possible de choisir le ou les modules à activer pour la session en cours. Okay, donc, un menu contextuel apparaît maintenant là, dans la section Flow Simulation du Command Manager des compléments de SolidWorks. Ensuite, avec le Solid Network License Manager, il sera possible là, d'activer une nouvelle option pour automatiquement charger le module Flow Simulation lorsque c'est disponible pour ceux là, qui ont des licences en réseau. Okay. Ensuite, toujours au niveau des licences, pour ceux qui ont des licences à terme, alors c'est-à-dire des licences en location, par exemple, vous louez SolidWorks pour une période de 3 mois ou d'un an, alors vous allez recevoir un avertissement lorsque la licence est sur le point d'expirer. Si jamais ça n'a toujours pas été renouvelé. Okay, donc, ceci va vous permettre d'éviter là, des délais, par exemple, là, si ça se met, là, si la licence là, n'est plus disponible là, soudainement, là, lorsque l'échéance arrive. Ça se traduit comment là, avec là, la partie directe d'activation des licences? Vous allez voir apparaître en rouge les modules ou les licences tout simplement là, qui sont sur le point d'expirer en rouge avec la date. Donc, ça va vous indiquer clairement cette information-là. Et on a aussi du nouveau, ou en fin de compte, là, une grande amélioration. Là, je pense que c'est la plus grande amélioration là, qu'il y a cette année pour les licences. C'est la possibilité de faire des modifications de licences. Alors, directement dans la fenêtre d'activation ou de désactivation de licence SolidWorks. Okay, donc, sans passer par le gestionnaire d'installation. Okay, donc, ceci revient à dire que vous allez pouvoir, lorsque vous désactivez une licence, par exemple, donc de l'enlever directement, okay, donc, ou même d'ajouter des licences. Okay, ça va vous éviter d'avoir à partir le gestionnaire d'installation par la suite, de retirer la licence. Okay, donc, de sauver du temps. Alors, ça, là, je pense que ça va plaire là, beaucoup là, aux gens là, qui s'occupent du IT. Alors, ceux qui s'occupent des installations, surtout, là, ça va être des étapes de sauver là-dessus. Alors, voilà. Donc, ceci met fin aux nouveautés sur le volet là, administration pour la version 2023. Bonjour, je m'appelle Michael Havrish et je suis spécialiste des applications chez SolidExpert. Dans la section suivante, je vais concentrer sur des outils de collaboration qui sont disponibles quand vous travaillez sur le cloud. Vous avez cherché une solution pour la gestion de vos données SolidWorks depuis des années, mais cela vous semble décourageant. Les investissements sont coûteux, les implémentations prennent beaucoup de ressources, et au final, avez-vous vraiment le temps? Voyons comment Eric et son équipe ont surmonté ces obstacles avec Collaborative Designer pour SolidWorks sur la plateforme 3D Experience. Avec la plateforme, la configuration est minimale, donc en quelques minutes, Eric peut commencer à enregistrer ses données dans le cloud directement à partir de SolidWorks. Les signets lui permettent d'organiser et de structurer ses conceptions. Avec un simple clic sur « Enregistrer », la conception d'Eric est sécurisée et ses propriétés personnalisées sont extraites. La gestion intégrée du cycle de vie lui permet de contrôler les droits d'accès en mettant à jour l'état. Sans avoir acheté un seul serveur, l'équipe d'Eric peut accéder à ses conceptions de n'importe où avec un navigateur web.
Pete s'occupe de la gestion de produits et n'utilise pas SolidWorks. Quand il est sur site avec le fournisseur pour étudier la structure du produit, il a un accès direct aux conceptions d'Eric. À l'aide des filtres, il peut rapidement visualiser les pièces qui seront fabriquées et celles qui seront achetées. Lorsque le fournisseur de Pete lui donne ses commentaires pour améliorer la conception, Pete capture les idées dans un markup. Les lignes rouges sur le modèle aident à indiquer que le support inférieur peut soutenir directement les pistons. Dans le passé, pour donner ses commentaires à Eric, Pete envoyait des courriels avec quelques esquisses. Maintenant, il crée simplement une tâche, l'attribue à Eric, puis fait glisser le markup et l'assemblage sur la tâche, ce qui accélère vraiment leur flux de travail. De retour au bureau, Eric accède à la tâche de Pete directement dans SolidWorks. Il met à jour l'état, puis ouvre l'assemblage par un simple drag and drop. L'assemblage est placé localement sur sa machine pour garantir des performances optimales. En ouvrant le markup dans le volet des tâches, Eric sait quels changements il doit apporter. Normalement, Eric aurait passé beaucoup de temps à renommer et remplacer les fichiers pour représenter la nouvelle révision. Maintenant, il lui suffit d'appliquer la révision à la pièce et l'assemblage concernés et les références sont gérées pour lui. Il modifie la géométrie comme Pete a demandé et, grâce à la recherche intégrée, il trouve une pièce parfaite pour terminer la tâche. Une fois que les modifications sont apportées, Eric met à jour l'état de maturité de la conception et finalise la tâche. Collaborative Designer pour SolidWorks vous permet de gérer vos données et de collaborer plus facilement que jamais. Et, quand vos besoins augmentent, 3D Experience Works continuera à vous aider à la gestion connectée des changements, des projets et des versions. Donc, pour résumer, la plateforme 3D Experience offre un endroit pour stocker vos données CAO et vous permet également de partager et de gérer ces données comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des annotations pour capturer des idées de conception, puis attribuer des tâches pour donner vie à ces idées. La gestion des révisions vous laisse créer les nouvelles versions de vos modèles sans s'inquiéter de l'emplacement de vos fichiers. C'est tout que j'ai pour vous en termes de collaboration infonuagique. Ensuite, je présente 3D Sculptor. Le rôle de 3D Sculptor vous donne accès à Xshape, une application de CAO basée sur un navigateur qui vous permet de créer facilement des pièces surfaciques. Aujourd'hui, les produits sont plus élégants et complexes que jamais, mais transformer les idées de conception en modèles CAO fonctionnels est difficile avec les outils traditionnels. 3D Sculptor adopte une approche de forme libre, offrant des possibilités illimitées de conception avec un navigateur sur tout appareil connecté. Voyons comment Dan Designer utilise Xshape dans 3D Sculptor pour créer une conception stylée pour notre modèle de scooter de mer. Dan prend quelques images de référence pour créer son nouveau composant. La subdivision commence avec une forme primitive qui peut être mise à l'échelle de façon uniforme ou avec une boîte limite à tout moment du processus. Poussez, tirez, agrandissez et faites pivoter les éléments de subdivision avec le manipulateur à l'écran pour sculpter toutes les formes imaginables. Ajoutez ou supprimez des arêtes ou subdivisez des faces pour obtenir un contrôle plus précis. La continuité de courbure est maintenue partout, mais si vous souhaitez ajouter des arêtes vives, ajoutez un pli à la volée. Les notifications contextuelles et la gestion des tâches intégrées facilite la collaboration sur les projets de conception. Les membres de l'équipe peuvent ajouter des commentaires, partager des modèles et suivre la progression des autres, tout cela dans l'espace de conception. Alignez les éléments de subdivision sur les esquisses ou la géométrie d'autres composants et obtenez un niveau élevé de précision avec les entrées numériques. Activez la symétrie pour refléter automatiquement les modifications. Ajoutez plus de matière avec la commande d'extrusion ou insérez un tout nouveau corps de subdivision. Faites des sélections irrégulières avec l'outil Lasso et alignez les éléments de subdivision sur une courbe
que vous tracez directement à l'écran. Manipuler un corps de subdivision peut créer les croisements de surface, mais l'outil d'inspection du maillage isole ces problèmes et la vue de la grille indique des zones problématiques. La commande de surface nette est idéale pour créer des surfaces basées sur les esquisses déjà existantes dans le modèle. Il est possible d'ajuster les paramètres de la nouvelle surface avant de la mettre en forme. Activez la zone de travail pour isoler des zones précises du corps ou de la surface de subdivision active. Il est possible de combiner plusieurs corps de subdivision dans un modèle principal, puis de les diviser en composants individuels pour la fabrication. Transmettre la conception est facile. Il suffit de faire glisser le modèle sur la tâche et de déplacer vers l'état terminé. L'ajout de détails pour la fabrication s'effectue dans X-Design ou SolidWorks pour que les concepteurs travaillent toujours sur l'application de leur choix. À mesure que la conception du scooter continue à évoluer, effectuez une nouvelle révision avec la gestion des données intégrées ou créer une branche lorsqu'il est temps d'explorer un tout nouveau concept. L'environnement de création de formes libres de 3D Sculptor vous permet de créer des formes et surfaces complexes plus facilement que jamais. Collaborez avec vos coéquipiers pour faire passer vos conceptions du concept à la production à partir d'un navigateur sur n'importe quel appareil connecté. Ce qu'il est important de noter, c'est que X-Shape a la capacité de fonctionner avec X-Design ou SolidWorks. Cela signifie que vous pouvez commencer à créer un corps complexe dans X-Shape, puis transitionner vers X-Design ou SolidWorks pour ajouter de géométrie paramétrique à votre modèle. Enfin, je dois souligner que tous les X-Apps ont une gestion de données intégrée pour créer un cycle de vie approprié de vos conceptions, avec les révisions et les tâches. Ensuite, nous allons continuer avec la conception du scooter de mer, cette fois dans 3D Creator. Le rôle de 3D Creator vous donne la puissance de X-Design. Comme X-Shape, X-Design est également sur le cloud et offre les mêmes outils de conception que vous avez l'habitude de voir dans SolidWorks. Aujourd'hui, développer les produits nécessite plus de flexibilité et travail d'équipe que jamais. Les outils traditionnels ne sont pas toujours équipés pour gérer des équipes modernes réparties dans le monde entier. 3D Creator vous offre la modélisation paramétrique dans le cloud, accessible dans tout navigateur afin de connecter toutes les personnes et données nécessaires pour faire passer les produits du concept à la livraison. Voyons comment Dawn Designer utilise X-Design dans 3D Creator pour terminer l'assemblage de notre scooter de mer. La première tâche de Dawn est de concevoir le boîtier de la batterie. La conception d'une pièce débute en général par une esquisse. Les commandes sont accessibles à partir de menus contextuels ou de raccourcis. Échange entre extrusion, révolution et balayage tout à partir des super features. Les paramètres d'utilisateur pilotent la géométrie d'esquisse et de fonction pour que les modifications soient mises à jour de manière prévisible. Les cercles de raccourci s'adaptent à l'environnement pour que vous ayez les commandes les plus utiles à portée de main. Command Parking permet d'ajouter des esquisses ou une géométrie de référence à la volée sans quitter la fonction. L'assistance à la conception anticipe l'étape suivante, donc les esquisses sont moins répétitives et les sélections sont plus rapides. Ignorez l'esquisse et extrudez à partir d'une face existante. Créez des raccordements complexes avec un congé à rayon variable. Fais un drag and drop pour insérer une pièce ouverte dans une autre fenêtre X-Design dans un assemblage. L'assemblage de composants est facile avec des outils contextuels intuitifs qui recommandent les contraintes selon la géométrie sélectionnée. Créez un composant à partir d'une fonction existante dans le contexte de l'assemblage. Importez des fichiers PCB et ECAD au format IDF traditionnel. Les outils de contrainte intelligente accélèrent les tâches répétitives. L'intelligence artificielle peut prédire le placement de composants similaires. L'option Copier avec les contraintes
réplique les composants aux endroits où les répétitions ne s'appliquent pas. Et les contraintes avancées permettent au concepteur de visualiser les scénarios de mouvements complexes. Les outils de collaboration intégrés connectent les équipes. Ainsi, collaborer sur des conceptions n'a jamais été aussi simple. Créer et vérifier les markups pour communiquer clairement vos idées. Partager des modèles mis à jour dans l'espace de travail de conception. Piloter les répétitions dans les assemblages avec des fonctions de répétition à partir d'une géométrie existante. La réutilisation des skisses à partir d'autres composants, comme ce logo de Sidhu, fait gagner du temps et garantit la standardisation. Créer des représentations de filetage ou les filetages qui sont prêts pour la production. L'impression 3D intégrée place les composants dans une imprimante virtuelle configurable selon les paramètres de la plupart des imprimantes 3D. Réorganisation automatique place les pièces pour éviter la fusion. Et l'analyse du support détermine les zones qui nécessiteront une assistance pendant l'impression. Commencez le prototypage physique en vous connectant aux imprimantes cloud en exportant dans la plupart des formats 3D courants. 3D Creator vous offre les outils requis pour effectuer vos tâches de conception, communiquer avec vos coéquipiers et préparer la fabrication à l'aide d'un simple navigateur sur n'importe quel appareil connecté. Comme vous l'avez vu, avec X-Design, vous retrouverez tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser dans SOLIDWORKS. Cependant, avec les dernières mises à jour, vous aurez accès à des fonctionnalités comme Design Assistant qui utilise l'intelligence artificielle pour éviter les sélections répétitives, ou contraintes intelligentes qui suggèrent automatiquement les types de contraintes pertinents lors du déplacement des composants dans un assemblage. Ces fonctionnalités et bien d'autres vous permettront de gagner des heures et des heures de conception. N'oubliez pas que, si vous souhaitez assister à un démo en live de X-Design, X-Shape ou la plateforme 3D Experience, vous pouvez toujours nous contacter. Maintenant, mon collègue va continuer avec la conception des assemblages. Merci Hollywood. Merci aussi à Flo. Vraiment des belles nouveautés que vous nous avez présentées ici. Ça donne le goût de faire de la sim. Ça va devenir plus simple aussi d'installer ou faire les modifications de nos SolidWorks. Et également, ça m'a vraiment donné le goût de pouvoir essayer des outils cloud. Merci à vous deux. Donc, mon travail à moi maintenant, c'est de vous montrer comment, à l'intérieur des assemblages, SolidWorks a amené encore une fois des améliorations. Vous savez que la création de modèles d'assemblage, c'est une pratique courante, puis ça permet de gagner du temps. Les modèles, tels que le modèle qu'on voit à l'écran, donc que ce soit convoyeur ou des modèles de ce genre qui sont linéaires, ça demande souvent des répétitions et aussi peut-être que des modèles soient configurés à l'intérieur de ces assemblages-là, avec plein de variations différentes. Avec un flux de travail traditionnel, on aurait besoin de plusieurs fonctionnalités, soit de modèles ou des nouvelles instances de nos modèles, que là, je devrais peut-être supprimer ou supprimer des fonctions, des choses comme ça. Et dans SolidWorks 2023, ce n'est plus le cas. Parce que tout type de modèle qui prend en charge des configurations, ben, va maintenant pouvoir nous offrir plus de moyens directs de modifier nos assemblages. Comme par exemple, ici, on va voir que peut-être que j'ai besoin d'avoir des roues de caoutchouc. Ça va réduire le coût de cet assemblage-là. Je vais pouvoir sélectionner là où je veux avoir les nouvelles roues que j'aurai besoin, le type d'agencement de ces roues-là. Donc, on va voir que mon assemblage a des configurations qui peuvent maintenant reproduire de quelle manière je veux que ces roues soient positionnées. Alors, je vais pouvoir faire le changement de roue ici. Et une nouveauté, ben, on va voir qu'on a une petite fenêtre d'aperçu maintenant qui va nous permettre de savoir qu'on a le bon modèle. Alors, je vais simplement l'accepter. On va remarquer que j'ai une erreur maintenant aussi au niveau des contraintes. Bon, normalement, je devrais corriger ces contraintes-là ou venir choisir une surface
Mais maintenant, je vais pouvoir appliquer le correctif automatiquement grâce à cette nouveauté-là dans les assemblages. Donc, ça va réparer automatiquement les contraintes qui étaient défectueuses. Ensuite de ça, ben, si on continue avec les outils d'assemblage, bon, on voit ici que j'ai mes différentes configurations, ça va super bien, mais parfois, quand on navigue dans des configurations comme ça, au niveau des propriétés, le nom ne suit pas toujours correctement quand je ramène ça dans des tables. Alors maintenant, dans mes paramètres, je vais pouvoir aller sélectionner ici de quelle manière je veux que ce soit nommé dans ma table. Donc, ça va aller chercher le nom de la configuration. Alors, je vais être certain du résultat exact dans mes nomenclatures. Si on continue au niveau des améliorations, vous savez comme moi qu'on travaille souvent en contexte et qu'on va amener une modification de notre assemblage, par exemple, faire une découpe sur notre modèle ici. Alors, j'utilise la fonctionnalité de l'assemblage pour faire cette découpe-là et choisir ma surface, c'est beau, ça fonctionne. Mais là, ça passait à travers tout. Ça coupait probablement même mes éléments Toolbox. Ça devenait problématique. Bien, avec SolidWorks 2023, ça ne sera plus un problème puisque je vais pouvoir isoler ces composants pour que ça ne les affecte pas. Donc, les composants Toolbox vont être identifiés et ne feront pas partie de la fonctionnalité que je viens d'appliquer. Fait que ça vient de régler un problème au niveau de nos éléments Toolbox. Vous savez aussi que souvent, on utilise les nouvelles fonctionnalités comme les contraintes magnétiques pour assembler nos modèles rapidement. Mais plus j'ai de modèles, plus j'ai de contraintes magnétiques, plus j'ai de points roses, de flèches ou de plans qui s'affichent dans mon écran. Alors, ça commence à devenir assez complexe aussi à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais pouvoir également avoir des états d'affichage pour aussi les contraintes magnétiques. À ce moment-là, ben, ça va réduire la quantité de points qui vont se ramasser à l'écran pour me permettre de travailler mieux, travailler plus rapidement puisque les sélections vont être beaucoup plus simples et ça va me permettre de terminer mon assemblage beaucoup plus rapidement grâce à cette amélioration. Si on va voir une autre amélioration, c'est au niveau de la visualisation d'assemblage. J'en bégaye même. Ça m'offre une manière maintenant beaucoup plus dynamique d'afficher et de trier les informations. Comme vous pouvez voir, maintenant, ils sont classés par ordre alphabétique au niveau des propriétés. Donc, c'est encore plus simple de trouver ce que j'ai besoin d'ajouter, par exemple, dans une colonne ici, pour la personnaliser au niveau des informations que j'aurais besoin d'aller voir sur mon modèle. Donc, grâce à tout ça, les assemblages volumineux, je vais avoir une nouvelle fonctionnalité qui va me permettre maintenant d'optimiser l'ouverture de ces grands assemblages-là. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de rapidement ouvrir un grand assemblage et de l'optimiser pour résoudre parfois certaines problématiques d'ouverture de nos modèles quand on fait ça. Et si je désire exporter maintenant, ben vous voyez que c'est possible d'exporter en step toute la structure native de mon SolidWorks et ensuite, si un collaborateur le réouvre, ben il va voir vraiment toute la structure de l'assemblage correctement, mais avec un modèle qui va être beaucoup plus réduit, beaucoup moins volumineux. Donc, toutes ces améliorations à l'intérieur des assemblages de SolidWorks vont vous permettre d'utiliser encore vos assemblages volumineux de manière encore plus efficace. Sans oublier que si jamais je veux stocker tout ça sur la plateforme, ce sera possible également de le faire. Comme vous avez pu le constater, notre assemblage est devenu vraiment très volumineux. Avec les outils qu'on avait à l'intérieur de SolidWorks 2022, c'était quand même performant pour ouvrir nos grands assemblages. Mais avec cette nouvelle option disponible
à l'intérieur de SolidWorks 2023 d'être capable d'ouvrir en optimisé et résolu, et maintenant les temps d'assemblage vont être grandement accélérés. Comme on peut constater ici sur ce visionnement, la manière d'ouvrir vos assemblages dans SolidWorks va maintenant faire en sorte que vos temps d'attente vont être diminués. Donc, avant, en mode résolu, comme en mode allégé dans SolidWorks 2022, on avait des temps vraiment potables, mais maintenant, en mode résolu versus le mode optimisé et résolu, la façon d'ouvrir vos assemblages maintenant dans SolidWorks va faire en sorte que vous allez avoir un gain de temps vraiment extraordinaire. C'est plus de 200% d'amélioration. Donc, je pense que ça va faire en sorte que vous allez apprécier la nouvelle version de SolidWorks 2023. Donc, si je viens faire un petit récapitulatif, tout ce qui est instance ou configuration de mes modèles a été amélioré maintenant dans les assemblages. L'identification pour la nomenclature correcte également des configurations va permettre de travailler encore plus efficacement pour les bombes. Le remplacer composant avec le visualisateur, je vais savoir si c'est la bonne pièce. Réparer les contraintes, les contraintes magnétiques que c'est amélioré aussi dans leur utilisation, les conditions de fin, quand je décide d'utiliser l'outil coupe ou enlèvement de matière dans un assemblage, c'est amélioré. Au niveau des visualisations, comment je peux propager des fonctions sans atteindre mes éléments toolbox, et naturellement, comment l'optimisation des modèles de rendu dans votre SolidWorks pendant que vous travaillez a été également améliorée. Donc, tout ça pour travailler encore plus efficacement à l'intérieur de votre SolidWorks. Alors, sur ce, je vais passer à mon prochain topo qui sera les mises en plan. Passons maintenant aux améliorations au niveau mise en plan. Donc, encore une fois, SolidWorks nous amène des outils améliorés puisqu'il était déjà très simple de démarrer une nouvelle mise en plan, de mettre à l'échelle rapidement ceux-ci, d'insérer des nomenclatures, de faire le bullage automatique, tout ça allait très bien. Mais maintenant, si je vais dans la nomenclature de gauche dans mon arbre de conception, un simple clic droit va me permettre d'ouvrir une mise en plan. Non seulement ça, mais si je suis dans cette mise en plan et que je choisis dans une colonne un item, je peux ouvrir la mise en plan. Et dans la vue graphique de celle-ci, je peux ouvrir la mise en plan. Ce qui vous donne maintenant toutes les possibilités pour ouvrir les mises en plan sans devoir aller dans la recherche de vos mises en plan, sans aller regarder les dossiers. Si vous êtes comme moi, ben, ça arrive qu'on a besoin d'apporter des modifications dans des cellules de notre nomenclature. Et bien maintenant, je vais pouvoir personnaliser la couleur des cellules qui ont été modifiées, de voir que celles-ci ont été modifiées également, et même de les ramener à leur état initial à l'unité ou tout le lot d'un seul clic. Également, au niveau des bulles, on va remarquer une amélioration, c'est que j'ai maintenant les quantités à l'extérieur de mes bulles, ce qui fait que mes bulles sont encore plus explicites. Enfin, à l'intérieur de nos nomenclatures, les filtres actifs, comme dans un Excel, sont maintenant disponibles. Ça va me permettre d'amener mes nomenclatures à des niveaux supérieurs rapidement au lieu de les exporter comme étant des Excel et de faire ces modifications-là par la suite. C'est-à-dire que tout de suite, à l'intérieur, dans ma mise en plan, j'ai un BOM directement qui va ressembler à ce que je désire. Donc, je vais pouvoir avoir peut-être un BOM d'achat, un BOM de pièces qui sont terminées, qui sont prêtes à la production. Je vais pouvoir rapidement, grâce à ces filtres-là, personnaliser mes nomenclatures. Fantastique. Donc, je peux exporter tout ça à mon format Excel. Ensuite, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en fais beaucoup de conceptions qui ont des transparences. Et maintenant, à l'intérieur de SolidWorks, je vais pouvoir cocher dans mes paramètres
d'afficher la transparence des composants automatiquement. Ça veut dire que dès que je vais glisser-déposer un composant qui aurait de la transparence, eh bien, c'est fini d'essayer de le faire disparaître puisque la transparence va fonctionner dans mes mises en plan. Toutes ces améliorations-là sont à l'intérieur des nouveautés de SolidWorks pour vous amener à un niveau d'efficacité encore plus simple. La même chose avec les boîtes de tolérancement qui sont aussi améliorées pour les personnaliser encore davantage. Sans oublier la façon dont on peut utiliser notre stockage sur le cloud pour que tout ça soit bien géré au niveau de nos données. Donc, il ne faut pas oublier ces utilisations-là qui combinent le savoir-faire de SolidWorks et la simplicité du stockage sur le cloud. Alors, sur ce, je vous remercie pour avoir été si attentif pendant la première moitié et maintenant, bien, on va passer à notre pause. Merci et à tout à l'heure. Retour à notre deuxième section de notre lancement. J'espère que vous avez votre boisson, votre popcorn. On va continuer notre présentation et c'est moi qui vais débuter avec tôlerie et structure. Donc, comme tous nos autres segments, tôlerie et structure a connu des belles améliorations encore une fois cette année pour rendre ces deux outils encore plus performants. Donc, on va travailler sur notre petit modèle sur rail ici pour voir quelles sont les améliorations qui ont été apportées. Alors, on l'ouvre dans SolidWorks et on regarde comment ça va se passer. Bien, sur ce modèle-là, quand même assez complet, j'ai une pièce que je veux vérifier, c'est-à-dire le garde ici de mes connecteurs hydrauliques. Il ne semble pas tout à fait à la bonne dimension, donc on va venir le modifier. Alors, je l'ouvre dans SolidWorks pour voir qu'est-ce que je peux faire. Je vais aller sur le profil et simplement tirer ici pour ajouter du matériau. Et j'ai une alerte maintenant dans l'arbre qui me dit quoi? Hein? J'ai des capteurs qui vont pouvoir me dire si j'ai dépassé la dimension du brut qui est possible de faire en atelier. Donc, je peux déjà prédéfinir des choses comme ça. Et quand j'apporterai des modifications ou que je ferai la conception, ça va m'alerter lorsque je fais ma mise à plat ou autre des surdimensionnements. Donc, comme vous le voyez maintenant, j'ai rétabli la dimension pour l'ajuster correctement à l'intérieur des maximums permis. Quand j'ai fait ma conception, j'ai mis des rayons identiques. Par contre, quand on travaille maintenant sur le physique, on se rend compte que je n'ai pas le même rayon. C'est normal parce que j'ai un rayon interne et j'ai un rayon externe. Donc maintenant, à l'intérieur de SolidWorks, ce sera possible de mettre la symétrie et à ce moment, quand je vais appliquer les pliages, les deux vont revenir au bon rayon puisqu'ils vont être appliqués du bon côté. Donc, une belle amélioration ici à l'intérieur de tôlerie. Autre amélioration, c'est que maintenant, les gauges seront aussi supportés dans les notes. Donc, j'ai fini de les écrire à la main. Elles vont être transposées automatiquement. J'ai besoin maintenant de créer peut-être une boîte de transport ou une structure de transport pour notre petit assemblage. Bien, le système de structure est fantastique pour faire ça puisqu'il est extrêmement rapide et efficace. Et il est amélioré maintenant avec les points de connexion et comment ces points de connexion-là sont coupés. Donc, maintenant, dans le système de structure, je vais pouvoir pointer un point de connexion et on voit que c'est une connexion complexe. Je vais pouvoir les mettre par groupe maintenant pour rapidement appliquer le type de coupe que j'ai besoin sur ce coin-là pour qu'il soit appliqué automatiquement sur tous les autres que j'ai groupés. Wow, ça veut dire que je vais pouvoir rapidement compléter mon modèle. Également, lorsque j'ajoute des items, je peux les grouper de la même manière. Donc, fini d'essayer de les positionner un par un, puisque intelligemment, il va pouvoir les regrouper. Pas fantastique, ça?
Une autre amélioration, c'est que maintenant, mes profils vont supporter les configurations. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va falloir que je la fasse plus robuste même, dépendamment du type de transport que j'aurai besoin de faire. Donc, les nouvelles améliorations au niveau de tôlerie et au niveau de structure vont vous permettre de travailler encore plus efficacement dans ce domaine-là. J'espère que ces améliorations-là vont vraiment vous aider à votre quotidien. Et sans plus tarder, je vais repasser la parole à mon ami Flo, qui va poursuivre avec le prochain topo. Je vous reviendrai par la suite avec aussi la fin de notre présentation. Merci. On va donc poursuivre avec SolidWorks Composer pour la version 2023. Alors, SolidWorks Composer là, qui va grandement nous aider au niveau de la documentation technique de nos produits. Alors, du nouveau, avec le menu d'aide, alors une nouvelle option va apparaître. Alors, c'est l'option d'utiliser l'aide web. Lorsque cette option est active et qu'on part l'aide contextuelle, on tombe directement dans l'aide en ligne et directement sur la dernière fonction qui a été consulté ou qui est en utilisation, donc dans ce cas-ci, le panneau des vues. Alors, l'aide en ligne existe depuis quelques années. Alors, c'est juste que cette aide-là est maintenant intégrée directement dans SolidWorks Composer. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben justement, parlant des vues, probablement la plus grande nouveauté là, de SolidWorks Composer pour cette année, là, pour la version 2023, alors, c'est une nouvelle fonction qui va vous aider là, à mieux organiser vos vues. Alors ici, là, on a plusieurs vues là, qui vont me permettre de documenter là, mon produit. Alors, on peut peut-être avoir des vues de détail, des vues d'éclatement, okay, des vues générales et tout ça. Alors, la nouvelle option, c'est l'option là, de pouvoir se créer des collections de vues. Alors, simplement sélectionner une ou plusieurs vues et ensuite, on va être en mesure d'ajouter une nouvelle collection. Donc, à l'aide du menu contextuel ou tout simplement là, avec la barre qui est en haut. Ensuite, on va pouvoir renommer, si nécessaire, la collection. Okay. Alors, ceci va donc me permettre là, de plus facilement là, classifier là, les types de vues. Alors, afin là, de définir une collection comme collection par défaut, simplement faire un clic de droit dessus et on va par la suite activer la collection. Et ceci va faire en sorte que lorsque je vais me créer de nouvelles vues, alors toutes les nouvelles vues là, vont s'ajouter directement dans cette collection-là. Voilà. Bien sûr, pour ceux qui utilisent SolidWorks Composer Player, alors, la même structure avec cette nouvelle fonctionnalité va être existante aussi. Quoi d'autre? Au niveau là, de l'importation des fichiers, vous pouvez maintenant, là, dans la version 2023, importer des métapropriétés des fichiers là, provenant de d'autres logiciels comme ProE ou sinon là, des fichiers STEP, okay, donc directement dans Composer. On va être en mesure là, d'amener là, l'équivalent là, des propriétés personnalisées. Voilà, ceci met donc fin aux nouveautés de SolidWorks Composer pour la version 2023. Alors, on va poursuivre avec les nouveautés sur Flow Simulation pour la version 2023. Alors, voyons voir là, qu'est-ce qu'on a là, comme nouvelles fonctionnalités là, et améliorations qui vont nous permettre d'être plus efficaces au niveau du pré-traitement et du post-traitement d'une analyse de flow simulation. Alors, pour débuter, dans les paramètres généraux, donc une nouvelle option est disponible là, pour ceux là, qui doivent utiliser là, le transfert de chaleur par radiation. Okay? Donc, au niveau du rayonnement solaire, okay, une nouvelle option est disponible. Alors, c'est l'option du facteur de turbidité. Alors, qu'est-ce que le facteur de turbidité? Pensons à l'environnement.
OK, donc une couche optique là, qui va représenter là, les différents effets qu'il pourrait y avoir là, au niveau de l'absorption de la vapeur d'eau, ainsi que l'absorption et la diffusion des particules d'aérosol qu'il pourrait y avoir là, par rapport à une atmosphère qui serait sèche ou qui serait propre. Donc, une valeur par défaut 3.5 là, pour un environnement d'un ciel bleu, par exemple. Mettons, dans le cas là, d'un environnement pollué, une valeur peut-être de 6 à 7. Okay. Alors, on améliore donc les résultats là, au niveau du transfert de chaleur par radiation. Ensuite, pour ce qui est reconnaissance de la géométrie, donc géométrie 3D ainsi que le maillage, donc une nouvelle option est disponible, là, c'est le maillage booléen. Okay, donc, une reconnaissance de la géométrie là, qui va nous permettre là, de reconnaître la géométrie et de créer le maillage beaucoup plus rapidement qu'on pouvait le faire auparavant. Okay, donc, plus de productivité. Parfait. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, dans le modèle du C-Scooter, donc on a un ventilateur interne vers l'arrière ici. Alors, bien sûr, oui, donc on va représenter là, un vrai ventilateur qu'on aurait là, par tout simplement qu'un cylindre hein, avec une pièce de ventilateur à partir de la librairie. Alors, auparavant, lorsqu'on définissait là, les courbes caractéristiques des ventilateurs, ça pouvait se faire seulement qu'avec un graphe du débit volumique en fonction du différentiel de pression. Okay, donc, pour la version 2023, ça sera possible d'utiliser là, la valeur de la vitesse radiale ou de la valeur de la vitesse tangentielle. Okay? Donc, d'obtenir, par exemple, une courbe là, du débit volumique en fonction de la vitesse radiale. Et oui, donc, dépendamment de la disponibilité là, de ces données-là. Donc, ça donne plus de flexibilité au niveau de la création des données nécessaires là, au niveau là, des ventilateurs. Parfait. Au niveau des objectifs maintenant. Okay, donc, de nouveau, des objectifs sont disponibles. Alors, on a ici là, le bilan énergétique global okay, qui est disponible, ainsi que les objectifs au niveau de dissipation okay, qui apparaissent aussi, ainsi que les objectifs là, de vitesse radiale et de vitesse axiale. Okay, donc, vont nous permettre là, les objectifs hein, qui vont nous permettre de nous assurer, là, par exemple, là, que les résultats convergent avant qu'on arrête les calculs. Okay, donc, on a plus de choix maintenant pour la version 2023. Maintenant, le côté interface au niveau de l'arbre de flow simulation. Alors, il est possible maintenant de classer les éléments dans l'arbre au niveau des objectifs. Okay, donc, d'avoir un classement en ordre chronologique ou en ordre alphabétique. Okay, donc, ceci va me permettre de plus facilement me repérer dans l'arbre, dépendamment du classement que j'effectue. Alors, on voit ici là, que les objectifs du même type là, sont classés en ordre alphabétique ou bien en ordre chronologique. Okay, donc, dépendamment là, de ce qu'on désire avoir. Hein. Des fois, il y a des gens qui aiment mieux là, que ce soit classé dans l'ordre dans lequel là, ça a été écrit. Et quoi d'autre pour la version 2023? Alors, les médias poreux conducteurs, donc c'est la possibilité d'avoir une dépendance à un débit massique spécifique. Alors, c'est tout simplement ici là, le fait là, que l'échange de chaleur entre un fluide et un média poreux est amélioré. Okay? Donc, on augmente la précision tout simplement là, pour les fluides compressibles comme les gaz. Moniteur de solveur, alors accélération de la dernière itération. C'est tout simplement ici là, le fait que le calcul a été amélioré. Donc, c'est au niveau de la libération de la mémoire qu'il va y avoir là, durant les calculs, ce qui donne un calcul plus poussé, okay, donc plus rapide. Pour les tracés, okay, tracés de flux. Alors, la possibilité maintenant là, d'afficher là, des résultats de bilan énergétique global donc dû à la conduction, le rayonnement et la convection. Okay, donc, plus de flexibilité au niveau de l'affichage.
du nouveau pour les tracés ou des améliorations pour les tracés, le rognage de données, alors qui pouvait déjà se faire, mais qui va pouvoir se faire maintenant aussi par fluide, donc par région de fluide ou par matériaux. Okay, donc, le rognage de données, là, c'est simplement un affichage local. Okay, donc, des résultats, là, par exemple, sur une visualisation surfacique. Alors, on va être en mesure, là, par exemple, de, cette année, là, de choisir un matériau, puis de dire, on veut afficher les résultats seulement que sur les pièces dont ce matériau spécifique a été défini. Par la suite, pour le transitoire explorateur, alors au niveau des paramètres de visualisation personnalisés, okay, on va être en mesure de les ajouter directement dans la visualisation des résultats là, avec le transitoire exploratoire qu'on a introduit il y a quelques années, là, qui va nous permettre d'afficher des résultats sous forme d'animation en fonction du temps. Et toujours avec le transitoire explorateur, ça sera possible de faire une exportation des résultats pour une plage de temps spécifique là, ou un moment là, spécifique. Alors, plus d'options au niveau des exportations. Voilà, ceci met donc fin aux nouveautés de Flow Simulation pour la version 2023. On va donc poursuivre le lancement de SolidWorks 2023 avec la section sur la simulation avancée. Alors oui, par simulation avancée, c'est qu'on veut vous amener au prochain niveau de la simulation. Commençons par regarder l'image qu'on a ici. On va tenter d'imaginer tout ce qui pourrait nous passer par la tête. Okay, on pourrait peut-être voir ici une rupture pour commencer, okay, donc un impact. Hein. Cause une rupture comme ça au niveau là, des pièces, au niveau des matériaux. On pourrait penser là, possiblement à une étude non linéaire, hein, même une étude dynamique pour résoudre le problème. On pourrait même penser à un solveur explicite hein, qui est très puissant, là, qui va nous permettre de résoudre ce type de problème en particulier là, qui implique là, une rupture en un très court laps de temps. On pourrait même penser au cloud. Pourquoi pas lancer un calcul là, avec plusieurs cœurs combinés pour pouvoir être plus productif au niveau du calcul. Okay. Mais pour ça, on va penser, pourquoi pas, à Simulia sur la 3D expérience. Alors, on va penser à Abacus, okay, la technologie Abacus qui est le leader mondial pour les analyses. On profite donc de cette technologie-là grâce à Simulia sur la 3D expérience. Alors, allons-y. On va d'abord reprendre le modèle de la machine à coudre qu'on avait vu un peu plus tôt, okay, dans la partie simulation. Alors oui, on se rappelle de ce mécanisme. Et oui, bien évidemment, c'est toujours possible de résoudre des analyses statiques, des analyses quand même assez simples. Mais qu'est-ce qu'il y en est là pour des analyses comme ça, là, donc une rupture? Alors oui, bien évidemment, là, ça va demander le plus de puissance. Okay, donc, on combine vraiment là, la puissance ici là, avec le cloud, la productivité. D'abord, au niveau des matériaux, alors on va être en mesure d'importer des matériaux à partir de SolidWorks. On va prendre ça directement sur la 3D d'expérience. Okay, donc, ça nous sauve là, vraiment beaucoup de temps là, au niveau là, de la préparation là, du matériel. De matériaux. Alors, ce qu'on restait à faire par la suite, bien, c'est d'aller chercher les propriétés, là, par exemple, au niveau de la rupture. Okay? Donc, le tout se transforme là, en équivalent là, de données multiphysiques là, sur la 3D expérience. Bien évidemment, sur SolidWorks, par la suite, c'est possible de centraliser les bases de données okay, afin d'unifier le tout. Pour lancer une analyse directement, là, pour l'envoyer sur la 3D expérience, on peut tout simplement là, donc, d'un coup là, ici, là, passer là, l'analyse en entier là, sur la plateforme de la 3D expérience. Et ce qui va nous rester à faire par la suite, bien, c'est de l'exécuter. Okay? Ça va même jusqu'à créer des analyses, bien évidemment, là, ultra poussées, là, donc des analyses non linéaires, dynamiques. Et l'équivalent de tout ça, et même de profiter du cloud, okay, donc de profiter là, d'un calcul là, sur un nuage, ça peut aller jusqu'à même 144 cœurs. Okay, donc, c'est une option
d'aller sur le cloud, bien, c'est aussi possible, bien évidemment, de rouler des calculs localement. On aimerait possiblement là, améliorer le produit aussi. Okay? Donc, des études d'optimisation sont disponibles. Okay? Donc, des études paramétriques là, qui vont nous permettre d'optimiser la géométrie. Et on va donc se faire guider ici là, grâce à cette étude paramétrique qui va pouvoir nous sortir des scénarios ou l'équivalent là, de solutions alternatives. Et on va pouvoir générer et par la suite même remplacer la pièce SolidWorks par la pièce optimisée. Durabilité. Okay? Donc, les études de durabilité sont disponibles pour pouvoir lancer l'équivalent d'études de fatigue. Okay? Donc, ici, on aimerait étudier là, la fatigue au niveau là, du matériau okay? qui va nous permettre là, d'étudier la défaillance, cette fois-ci par fatigue, afin d'améliorer mon produit. Alors, travailler sur Similia, donc, grâce à la technologie d'Abacus, directement sur la 3D expérience, ça a d'autres bénéfices aussi, entre autres la collaboration, okay? Donc entre collègues, par exemple. On pourrait peut-être demander là, à un collègue de commenter sur un résultat, de donner son avis, ou même des gens partout dans le monde. Alors, il suffit tout simplement là, que d'avoir une connexion Internet et d'être connecté sur la plateforme. Donc, pour des analyses structurales, des analyses de d'écoulement, d'injection plastique, même l'électromagnétique. Okay? Donc, c'est des analyses électromagnétiques là, qui on couvre un autre monde avec ça. Les études de mouvement aussi. Alors, voilà. Donc, on vous amène au prochain niveau. OK, grâce à Similia sur la 3D expérience qui utilise la technologie d'Abacus, leader mondial des analyses. Alors voilà, entre autres, donc une importation possible là, de la base de données de matériaux. Okay, le tout se transforme en propriété multiphysique dans la librairie. Okay, les bibliothèques de matériaux peuvent être centralisées. On peut transférer une étude de simulation. Okay, d'un coup, le solver explicite là, qui est là pour résoudre vraiment là, des problèmes là, très, très poussés, là, très, des problèmes complexes là, de nature okay, qui vont se résoudre de façon très simple sur la 3D expérience. Les études paramétriques, l'équivalent d'une étude d'optimisation, la durabilité okay, pour les études de fatigue, le calcul sur le cloud, pourquoi pas profiter là, d'une augmentation de productivité au niveau des calculs, gestion intégrée, okay, question ici là, de cycle de vie, de révision, okay, pour pouvoir gérer le tout là, dans un seul système, et collaboration, bien évidemment, donc visualiser, annoter, partager les résultats en ligne, okay, donc à partir de n'importe quel appareil. Voilà, ceci met donc fin à la section de simulation avancée. Alors, on va poursuivre avec SolidWorks Electrical pour la version 2023. Et cette année, on va mettre le focus sur une meilleure documentation ainsi qu'un design plus précis. Alors, on y va. On a une schématique en fait avec SolidWorks Electrical. Alors, lorsqu'on fait un travail de conception électrique, alors bien évidemment, on peut être appelé à faire des changements. Et ça peut impliquer des ajouts de composants, par exemple, ou même des retraits de composants. Alors, auparavant, lorsqu'on tentait de faire des suppressions de composants, on pouvait se faire interdire cette action parce qu'il pouvait y avoir là, des éléments associés. Alors, en 2023, le comportement est différent. Okay? Lorsqu'on tente de supprimer des composants, une nouvelle option va apparaître. Alors, c'est l'option « Confirmer uniquement ». Okay. Lorsqu'on sélectionne cette option-là, ça va donc me permettre de faire la suppression des composants, mais avec un avertissement, okay, comme quoi que l'opération est irréversible et que ça va entraîner là, la suppression de certains éléments associés comme des symboles. Voilà, ça devient donc plus facile d'effectuer des suppressions de composants en 2023. On va ramener le tout grâce à une macro. Parfait.
Maintenant, du nouveau, une amélioration au niveau des vignettes de câblage. Alors, directement avec un clic de droit sur un symbole. Alors, ensuite, on va être en mesure là, d'insérer une vignette de câblage dynamique pour le composant. Et voilà, ensuite, on va le placer à l'écran et cette vignette de câblage qui va donc suivre la configuration telle qu'elle. Et donc, un accès rapide. Regardons maintenant au niveau du connecteur qui est ici. Alors, lorsqu'on supprime le symbole du connecteur, il y a certaines informations utiles qui sont parties avec. Alors, on va l'effacer d'une autre façon. Okay? D'abord, on va configurer le projet avec une nouvelle option, autoriser les fils à extrémité ouverte. Alors, voici la différence maintenant. Lorsque j'efface le symbole avec cette option d'activer, alors ces informations restent dans ma schématique. Okay? Des informations importantes là, qui sont utiles pour les livrables. Parlant justement donc de livrables, voyons voir ce qu'on a de nouveau au niveau des rapports, hein, des nomenclatures tout simplement. On va d'abord créer certaines nomenclatures. Rien de nouveau ici, okay, au niveau de la création des BOM. Ce qui est nouveau pour la version 2023, c'est la possibilité de copier une table, okay, donc de nomenclature, et de la coller donc sur pratiquement n'importe quel dessin. Okay, donc une schématique, par exemple, un diagramme de ligne, un layout 2D. Et l'information va rester liée aussi avec la schématique, ce qui nous empêche là, d'avoir à refaire, à réinscrire là, des données manuellement. OK. Maintenant, au niveau là, de l'insertion des images, donc il y a une amélioration ici là, en 2023. Alors, auparavant, on ne pouvait qu'insérer là, des images en BMP. Okay. Alors, cette année, on ajoute là, d'autres formats. Okay, donc, le JPEG, le PNG, le TIFF notamment. Alors, simplement choisir l'image en question. Configurer là, la grandeur. Et ensuite, on va la placer. Okay, donc, on offre plus de choix au niveau là, de l'insertion des images. Maintenant, pour les PDF, okay, lorsqu'on exporte un PDF, une nouvelle option va apparaître. Alors, c'est l'option automatique. Okay, donc, au niveau des orientations. Ce qui va nous permettre, là, lorsqu'on tente de publier un rapport, de pouvoir l'enregistrer, donc d'exporter le rapport, mais en effectuant là, un changement d'orientation automatiquement par rapport au folio en question. Okay, donc, si c'est en portrait, bien, on va le mettre en orientation portrait. Alors que si c'est en paysage, bien, ça va être en paysage. Okay? Alors voilà ce qui m'empêche là, d'avoir ici là, à prendre du temps là, et à faire ces changements-là manuellement. Parfait. Alors ça, c'était du côté schématique. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'on aurait de nouveau là, au niveau là, de SolidWorks Electricon 3D. Donc, pour nous préparer à cette partie-là, on va d'abord regarder là, au niveau du symbole qui est ici, certaines données techniques. Alors, au niveau là, de la référence constructeur, alors on peut bien évidemment là, voir ici là, que cette pièce, cette référence constructeur a telle ou telle taille, elle a quoi comme caractéristiques, comme quoi comme tension, fréquence, puissance, le poids, 1,5 kg, le prix. Alors, oui, c'est un petit peu comme si on avait une fiche technique avec des propriétés, okay, qu'on ne voudrait pas perdre comme information, puis qu'on aimerait les amener directement dans 3D. Alors, c'est là la nouveauté avec la version 2023, c'est la possibilité justement de transférer automatiquement les métadonnées, okay, donc de passer de la schématique vers la mécanique. Alors, voyons voir au niveau du moteur. Alors, on va aller consulter les propriétés du fichier de ce moteur-là. Alors, on voit ici là, que toutes les propriétés se sont transférées. Okay. Alors, ce qui inclut là, la fréquence, la tension, le prix, et ainsi de suite. OK,
et ce qui vous sauve énormément de temps ici là, au niveau là, de imaginez si vous auriez à transcrire tout ça là, manuellement là. Donc ici le travail a été fait automatiquement. Et ça inclut aussi des propriétés de masse. Hein? Donc, si jamais il y a des données, là, comme au niveau de la masse, okay, on avait tantôt là, le 1500 grammes ou le 1,5 kg. Là. Alors qu'on a même une indication ici comme quoi que ça, la donnée a été remplacée par l'utilisateur. Parfait. Voyons voir maintenant au niveau de l'interface. Okay, donc, l'interface de SOLIDWORKS Electrical 3D. Cette interface a été retravaillée au niveau de l'arbre. Alors, des boutons plus descriptifs hein, pour nous indiquer s'il reste là, des pièces ou des composants à associer. Okay, donc, de les afficher ou de les masquer. Alors, on peut développer ou réduire l'arbre d'un seul coup, comme ça, pour faciliter là, justement les associations des pièces. Okay. Donc, on arrive là, ici, au niveau de l'association des pièces. L'icône a changé pour clairement m'indiquer là, que les deux pièces suivantes, par exemple, ne sont toujours pas associées. Et en 2023, on va être en mesure d'associer plus d'un composant à la fois. Okay, donc, simplement ici, là, les sélectionner. Okay, donc, dans la même commande, et on va être en mesure là, d'effectuer cette association. Voilà. Et l'icône qui change ici, pour m'indiquer que l'association a été faite sur ces deux composants. Voilà. Alors, pour SOLIDWORKS Electrical, pour la version 2023, une amélioration au niveau de la suppression de composants. On facilite le travail. Les propriétés de fichiers, la fiche technique là, des méthodes données peuvent se transférer automatiquement de la schématique vers le 3D. Ce qui inclut aussi le poids de la pièce, vignette de câblage dynamique, une narration là-dessus aussi, pour nous permettre là, d'afficher là, les symboles dynamiques. Définition des fils ouverts, okay, pour garder certaines informations utiles à l'écran pour la documentation par la suite. Arbre Electrical Manager, donc, une interface qui a été retravaillée. Association de composants. Donc, on va être en mesure ici là, d'associer là, des composants de façon multiple. Tableau de rapport intégré. Donc, on va être en mesure de faire un copier-coller, tout simplement, d'une nomenclature et intégrer ça dans un dessin. Okay? Donc, une schématique, par exemple. Plus de formats de fichiers au niveau d'insertion des images. Et lors de la production de PDF, donc une option pour orienter automatiquement les folios pour augmenter la productivité de la production de liens livrables comme des rapports en PDF. Voilà, ça met donc fin aux nouveautés et améliorations sur SOLIDWORKS Electrical pour la version 2023. C'est Michael et je suis de retour avec la plateforme 3D Experience pour parler de la fabrication intégrée. La plateforme 3D Experience a un rôle qui s'appelle Shop Floor Programmer qui vous donne accès à tous les outils de fabrication dont vous pourrez avoir besoin sur le cloud. Les pièces deviennent plus complexes et les délais de livraison plus courts. Et si vous ajoutez les progrès de machines utiles, il devient essentiel que les ateliers rationalisent le procédé de fabrication. La possibilité de programmer les pièces plus rapidement et avec plus de précision leur permet de se concentrer sur des nouveaux emplois, pas sur les erreurs de fabrication. Tout comme vous, Sam a nombreuses pièces différentes qui viennent dans son atelier. Il peut passer plus de temps à faire des appels et à gérer l'entreprise depuis qu'il a commencé à utiliser le rôle Shop Floor Programmer de Delmia. Il y a certains outils que Sam utilise pour accélérer la programmation et réduire les erreurs de fabrication. Sam commence avec l'assistant de configuration qui simplifie la tâche de configuration de votre environnement grâce à un flux de travail guidé étape par étape. L'assistant accélère le temps de configuration en définissant les post-processeurs, le stock et l'outillage pour la machine de l'atelier. La définition des opérations d'usinage est rapide, facile et précise dans Shop Floor Programmer.
Des outils comme la reconnaissance automatique des perçages et des composants permettent d'identifier le diamètre et la profondeur de chaque trou sur la pièce et d'affecter le processus adapté. La définition des zones d'usinage et des limites peut être utile dans la plupart des systèmes de FAO. Les limites automatiques et les commandes propres au processus vous aident à ajuster vos programmes pour vos machines sans crainte. La précision est importante, donc pour la surface finale, SAM utilise la finition de surface avancée pour usiner avec précision toute la surface de la pièce. Le rôle Shop Floor Programmer utilise la géométrie de surface réelle pour calculer les trajectoires de surface. Cela permet d'éliminer le facetage de surface et le travail manuel qui est coûteux. La finition de surface avancée peut aussi être utilisée pour les géométries 3D complexes comme celle d'ici. Vous pouvez également définir les limites de toutes les opérations comme ce processus d'usinage en utilisant les contours de limitation. L'outil de sélection facilite la définition d'une zone en utilisant la géométrie existante et la géométrie définie automatiquement. Vous pouvez passer en revue l'ensemble du procédé d'usinage à tout moment en effectuant une simulation d'usinage complète. Vous pouvez alors rechercher tout problème potentiel et voir clairement les différents types d'opérations séparées par des couleurs spécifiques. La simulation du trajet utile affiche également le stock restant ou intermédiaire, ce qui rend le nettoyage rapide et facile. La représentation graphique du trajet utile au-dessus de la pièce offre une vue claire de chaque opération et de chaque mouvement de l'outil. Une fois qu'il est satisfait avec des résultats, SAM enregistre simplement le code CN et l'envoie à sa machine. Il sait que le code est correct parce que Shop Floor Programmer lui a fourni des post-processeurs éprouvés propres aux machines de son atelier. Une fois que la tâche est en cours d'exécution, SAM a une visibilité constante grâce à la plateforme 3D Experience. Il sait que le fait d'avoir toutes ces données stockées au même endroit aide son équipe à communiquer tout changement qui pourrait se présenter. Découvrez comment Dermia Shop Floor Programmer permet aux utilisateurs de programmer rapidement toute machine de l'atelier de façon simple et précise. Comme vous pouvez le voir, Dermia Shop Floor Programmer fournit la solution de fabrication parfaite sur la plateforme 3D Experience. En plus, vous pouvez profiter de la collaboration en temps réel puisque vous travaillez sur la 3D Experience. La génération de code G n'a jamais été aussi simple. Finalement, je vais passer la parole à mon collègue qui vous montrera le routage. Merci Hollywood. Encore une fois, avec la fabrication intégrée, ça va faciliter la collaboration nuagique en plus, donc encore plus simple d'y parvenir. Alors, encore une fois, Ping, des belles améliorations que tu nous as amenées avec Composer, la simulation et encore une fois avec Electrical. Electrical, ben, pourquoi j'irais pas de ce côté-là aussi à l'intérieur de SolidWorks? Donc, allons voir routing à l'intérieur de SolidWorks. Ça tombe bien. Le modèle qu'on va utiliser en plus, ben, c'est mon frigo. C'est un frigo comme ça que j'ai à la maison. Donc, on va aller voir à l'intérieur du modèle de SolidWorks, qu'est-ce qu'on a. Donc, si on l'ouvre ici dans SolidWorks, ben, on va remarquer que j'ai plusieurs types de routing, hein. La tuyauterie, l'électricité qui viendrait même principale. Si on va voir justement le connecteur principal, le harnais principal, on va voir qu'à l'intérieur de SolidWorks Routing maintenant, ben j'ai au niveau des propriétés, ben oui, moi avec, je suis capable d'aller voir les longueurs de fil, les diamètres, puisque c'est disponible à l'intérieur de mon SolidWorks Routing, puis je peux même voir la coupe de cette couette-là et si j'en ai des utilisés ou inutilisés. Fait que moi aussi, j'ai des façons de faire à l'intérieur de mon SolidWorks. Également, mise à plat ultra performante, les bombes qui sont aussi adaptatifs et qui fonctionnent avec le même type de bulage maintenant qu'à l'intérieur de nos modélisations SolidWorks régulières, donc ultra performantes. On voit que celles-ci peuvent être réordonnées vraiment facilement. Également, quand je passe sur un des bombes, on voit qu'en surbrillance, la ligne vers laquelle il est connecté pour ces informations. Également, si j'ajoute
une colonne et des propriétés dans cette colonne-là. Je peux choisir si c'est juste sur ce bombe-là ou sur tous les bombes que je le désire. Si on passe par un autre concept dans mon réfrigérateur, je dois modifier celui-ci. On voit là, que j'ai maintenant un deuxième ventilateur, mais on ne veut pas ajouter au système électrique. Donc, la personne du côté électrique m'informe avec un diagramme comment je devrais faire la connexion. Alors, maintenant, dans SolidWorks, dans le routing, il va supporter ce fameux, excusez-moi l'anglicisme, split, ou comment la route est coupée, dupliquée pour pouvoir être réutilisée. Je vais simplement insérer mes nouveaux composants, choisir les routes qui sont pré-visualisées pour moi, je vais les sélectionner et ça va compléter le travail. Donc, à l'intérieur de SolidWorks Routing maintenant, une manière encore plus efficace de travailler. Également, mes librairies vont pouvoir maintenant être exportées aussi sur la plateforme de la 3D Expérience. Comme ça, fini de pas avoir des mêmes librairies pour tout le monde. On aura la même librairie qu'on pourra utiliser sur la plateforme. Ça, c'est-tu pas fantastique? Regarde Ping du coin de l'œil, là, puis je pense qu'il approuve. Donc, sur ce, je vais laisser la place maintenant à notre prochain présentateur et je reviendrai vous voir tout à l'heure avec également la fin de notre présentation. Merci. Passons maintenant aux nouveautés de SolidWorks Visualize, qui est notre solution pour vous permettre de créer des rendus de vos produits. Cette année, on va mettre le focus sur la simplicité du processus. Visualize 2023 accélère l'importation en filtrant uniquement les options les plus applicables pour les fichiers SolidWorks. Alors ici, est-ce qu'on veut le contrôle individuel fourni par l'option composant pièce corps? Ou est-ce qu'on veut regrouper toutes les mêmes apparences en une seule pièce? L'option composant pièce corps fonctionne de la même manière que le mode automatique des versions précédentes, mais elle a été améliorée pour cette année. Cette option d'importation va permettre d'imiter la structure d'assemblage SolidWorks tout en conservant le contrôle de l'apparence dans Visualize. Ça permet donc de mieux tirer parti des regroupements, tels que les sous-assemblages, déjà défini dans le modèle SolidWorks. Voyons voir ce qu'on a de nouveau pour les scènes, comme les fichiers GLTF. En 2023, les options d'importation standard sont toujours disponibles pour tous les fichiers qui ne sont pas SolidWorks. Dans les rendus de modèles complexes ou détaillés, on aimerait pouvoir améliorer la performance avec la prévisualisation. Mais on aimerait avoir un feedback avec les effets d'éclairage en fonction de la configuration. Dans Visualize 2023, la gestion des aperçus de matériaux PBR a été améliorée, ce qui donne une bien meilleure idée de la réaction de la lumière avec les cartes de rugosité, la transparence alpha et les autres options. On peut même voir la lumière du HDR scintiller sur les points humides de notre modèle, ce qui nous permet d'être beaucoup plus confiants dans notre configuration tout en profitant des avantages de performance du mode aperçu. Voyons voir un cas d'utilisation courant pour le rendu, soit de se créer un coloris montrant une variété d'options de couleurs potentielles. On a l'option d'importation d'apparence qui regroupe toutes les mêmes apparences en une seule unité. Renouveau jusqu'ici, mais la partie la plus difficile s'en vient. Soit de retrouver toutes les couleurs, codes, nuanciers et références nécessaires et essayer de les faire correspondre dans Visualize. Le sélecteur de couleurs a été considérablement amélioré, ça fait que ça devient la partie la plus simple du processus. On peut amener des couleurs de presque toutes les sources. Un onglet dédié aux palettes de couleurs est disponible avec quelques palettes par défaut. Les palettes personnalisées peuvent être importées directement depuis SolidWorks, un fichier Adobe en CO, un logo sous forme de fichier vectoriel ou depuis un fichier CSS ou HTML. Une fois importé,
On a un contrôle total sur les palettes. Des noms consultables sont présents et les échantillons peuvent être appliqués immédiatement. La boîte de dialogue de couleurs se détache maintenant et reste disponible pour toute action. S'il y a des couleurs qui ne sont pas disponibles pour être importées, elles peuvent être ajoutées comme dans les versions précédentes. Sur l'onglet couleurs, la couleur peut être sélectionnée avec l'affichage graphique et le curseur de teinte est maintenant présent en RVB ainsi qu'en HSV. On peut même coller un code HEX et définir d'autres modèles de couleurs. Comme toujours, la pipette à couleurs peut être utilisée pour sélectionner une valeur n'importe où sur l'écran et son aperçu des couleurs a été agrandi pour une plus grande précision lors de la sélection. On peut ajouter la couleur choisie à notre palette et la verrouiller pour empêcher toute modification. Les palettes peuvent être exportées en tant qu'actifs partagés entre les utilisateurs ou réimportées dans SolidWorks. Les 8 sélections de couleurs précédentes resteront également dans les couleurs récentes pour toutes les sessions. C'est une grande amélioration sur le système de gestion des couleurs qui vous évite de faire des clics à ne plus en finir pour retrouver vos couleurs. Visualize 2023 introduit un nouveau moteur de rendu. Alors, dans les options, 3D Viewport, on a le moteur Stellar Physically Correct. On peut s'attendre à des performances comparables à celles du iRay et de grandes choses à venir. Une fois les rendus terminés, ils peuvent être partagés sur la plateforme 3D Experience pour que le reste de l'équipe puisse les visualiser, les utiliser et même les commenter. On parvient donc à réduire le temps nécessaire à la production de contenu attrayant pour les ventes, le marketing, les sites web et les campagnes sur les réseaux sociaux. SolidWorks Visualize 2023 donne donc plus de vie au modèle CAO. PDM Professionnel est depuis longtemps la référence en matière de gestion des données sur site pour SolidWorks. Avec la version 2023, il y a une fois de plus relevé la barre en matière de convivialité, de performance et de sécurité. Voyons les nouveautés de SolidWorks PDM 2023. L'accès à des données complètes et précises est essentiel pour la publication de toute conception. Pour 2023, le texte statique de la carte de données peut être copié et collé dans n'importe quel champ, ce qui facilite et réduit les erreurs de transcription. Les données du champ de propriété prennent désormais en charge des infobulles personnalisées, garantissant que les utilisateurs savent exactement quoi saisir. Et les commandes des boutons peuvent être directement liées aux données de l'utilisateur, ce qui facilite la recherche et le remplissage des champs de la carte de données. Les administrateurs peuvent également inclure les informations utilisateurs en tant que variables pour les transitions et les commentaires de révision, fournissant un historique de conception amélioré. Et pour plus de clarté, la boîte de dialogue Obtenir inclut désormais les dernières informations enregistrées et de révision. Les notifications de flux de travail automatisées sont fondamentales pour tenir les équipes de conception informées. Pour PDM Pro 2023, les administrateurs ont désormais accès à un éditeur de notifications HTML complet, leur permettant de personnaliser le contenu de la notification. Des images peuvent être ajoutées pour soutenir l'image de marque de l'entreprise et les colonnes peuvent fournir au destinataire un aperçu supplémentaire des propriétés personnalisées. La création automatique des livrables de conception est cruciale pour le travail avec les autres. Pour les utilisateurs disposant d'une licence SolidWorks MBD, la tâche de conversion prend désormais en charge la création de fichiers Step 242, ce qui permet de partager les informations basées sur les modèles. Et pour les utilisateurs d'HydraWings,
l'explorateur Windows prend en charge les aperçus miniatures, ce qui facilite l'identification visuelle du fichier. Et l'aperçu complet du PDM utilise désormais le contrôle Microsoft Edge, permettant l'affichage du contenu HTML5 directement dans l'explorateur Windows. Pour les administrateurs, les tâches courantes sont devenues plus efficaces. Les administrateurs peuvent désormais configurer la connexion automatique à l'outil d'administration, ce qui simplifie leur accès. Les serveurs hôtes de tâches peuvent être supprimés de la liste d'exécution, ce qui permet d'éviter toute confusion lorsque vous changez de serveur. Et la gestion des utilisateurs est améliorée pour inclure la possibilité de restaurer des utilisateurs supprimés. La possibilité de révoquer l'accès de plusieurs utilisateurs à la fois a été ajoutée. Et pour les utilisateurs qui ont été affectés à des groupes, une nouvelle fenêtre contextuelle offre une visibilité sur l'endroit où les utilisateurs ont hérité d'une autorisation spécifique et peuvent être épinglés en place pour une comparaison facile. Enfin, les performances et la sécurité sont considérablement améliorées dans PDM Pro 2023. Les activités courantes du serveur d'archives, telles que l'ajout, la suppression et la transition de fichiers, verront une amélioration significative des performances dans les environnements à latence plus élevée. Pour garantir une sécurité accrue de votre précieuse propriété intellectuelle, tout le trafic entre les clients et le serveur d'archives est désormais crypté. De plus, un nouveau journal GET peut être activé pour assurer la traçabilité de récupération des données à partir du coffre-fort. Ceci est un aperçu des améliorations et des nouveautés de SolidWorks PDM 2023, mais sachez que dans l'aide, il y a plus d'une vingtaine de nouveautés supplémentaires. Je retourne maintenant à ma mission secrète et je vous laisse aux soins d'Alain, Chongping et Michael. Wow, super feature! Qu'est-ce qui arrive? J'espère que ça va bien se passer pour le reste de ta mission. Mais merci d'avoir eu le temps de nous présenter les nouveautés de PDM. Donc, moi, je passe au dernier topo de notre lancement, qui sera les outils experts. Les outils experts, vous savez, on travaille très fort à les développer pour qu'ils soient tout aussi productifs que vous l'êtes avec votre SolidWorks, mais de manière encore beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, ici, c'est simplement pour vous rappeler les icônes, de savoir qu'ils sont là, qu'ils existent dès que vous êtes sur le support avec nous. Ce sont des outils qui vous sont disponibles. Donc, demandez les informations à vos gérants de compte, à vos directeurs de compte, qui se feront un plaisir de vous détailler tout ça. On travaille chaque année pour amener des améliorations, des nouveautés, comme vous avez droit à l'intérieur de votre SolidWorks. Et pour moi, cette année, j'ai fait une sélection un peu personnel au niveau des nouveautés. Donc, que ce soit du gestionnaire de liste, que ce soit découpe expert, docteur expert ou tâche expert, ces outils ont connu une belle amélioration pour 2022. Ma préférée, au niveau de découpe expert, on va aller jeter un petit coup d'œil. À l'intérieur de découpe expert, on sait qu'on peut travailler au niveau de toutes sortes de tôleries ou de plaques, on a besoin d'avoir des DXF. Et bien maintenant, dans notre outil, que je travaille dans un assemblage ou dans une pièce à corps multiple, ça n'a pas d'importance, si j'ai différentes épaisseurs de matériaux. Mais en ce moment, ce que Découpe Expert était capable de faire, c'est de vous sortir tous ces DXF-là, de vous les envoyer dans un dossier pour pouvoir les récupérer et ensuite envoyer pour la production. Maintenant, je vais pouvoir spécifier les épaisseurs comme étant la propriété pour créer un dossier sous dossier. Ce que ça va faire maintenant, grâce à une recette personnalisée ici que je vais me créer, ben, l'outil, il va être capable maintenant d'aller vérifier mes pièces, déplier celles-ci, s'assurer encore une fois s'il y a des rainures, des poches, des perçages à fileter, des choses comme ça pour extraire les informations, les mettre sur des calques différents. Donc, il va faire tout ce travail-là comme il faisait avant,
m'avait comme grande amélioration de me les classer de manière spécifique selon les épaisseurs. Alors, ça veut dire que je n'ai plus besoin d'aller fouiller dans les fichiers pour vérifier les épaisseurs, puisque Découpe Expert, pardonnez-moi, va m'avoir permis de faire ça en un seul coup sur soit un fichier ou un dossier complet. Donc, que ce soit pour un assemblage que je suis en train de travailler ou pour un projet complet, on va pouvoir lancer l'utilitaire et il va nous régler tout ça. Donc, comme on va voir ici, dans mon exemple, il va avoir décortiqué tous les composants. Il me crée une petite liste de textes. Mais ensuite, dans le dossier, je vais voir que j'ai mes sous-dossiers avec les épaisseurs et il va avoir regroupé les bonnes pièces à l'intérieur des bons dossiers. Donc, il a vraiment accéléré mon travail vers la production. Donc, c'était mon choix personnel pour ma nouveauté des outils experts. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça serait autre chose, mais c'est parfait. Donc, sur ce, notre présentation se termine. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir, de prendre le temps de faire partie de cette belle expérience de lancement, comme à chaque année. Et je vous invite à vous présenter encore l'année prochaine à notre prochain lancement. Et j'en profite également pour remercier le travail exceptionnel de mes collègues, que ce soit Flo, Chong Ping Du, que ce soit Hollywood, Michael Abridge et Super Feature, notre ami qui a été déligoté et débaillonné, Jonathan Chargary, qui est notre coordonnateur. Puis je pense qu'il a réussi sa mission. Et moi-même, Alain Provost, pour vous être déplacé ici, on vous dit un grand merci et à l'année prochaine. Au revoir.